Salutations, salutations. Ah, c'est bien votre serviteur Josué Boloa, l'international. Bienvenue dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa. Nakatia, Cape Town, Mada City, Boebigara, Cape Town, Afrique du Sud, Paya Mandela. Donc, vous comprenez que la réalité, ça m'a ramené Nakatia Congo. Je ne sais pas où allons-nous, Nakatia Mboka, on est tous ok, les musiques chrétiennes, le monde chrétien, ils ont la crise, mon corps sakanaté. Alors aujourd'hui, je vais encore vous analyser dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe dans le monde chrétien. Hier, c'était Peniel, hier, c'était Mike Alambay, avant-hier, c'était Moïse Mbi avec Eliane, aujourd'hui, c'est Michel Bakenda. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors restez branchés sur www.congodialogue, abonnez-vous massivement. Nos numéros seront affichés bientôt dans vos petits écrans. Tout le capé bavine abino, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes toujours la bienvenue. Yako pesa bavine abino. Alors moi c'est Josué Boloa. Connectez-vous pour tobiter la masolango. Qui a tort, qui a raison? Lelo ya ye yebani. Et pas panzani mokili mobimba. Ouais, yo salaka obata manana mona ngo pena na lobelango. Hein? Mbadi, sans rancune. Tovanda to solo mon kesu mamba mai kalambai. Pena Michel Bakenda. Est-ce qu'il y a solo frère na biso pena tout lapidé penza? Ah, bola nana eloko. Après 12 ans. Merci. Voilà. Maintenant, c'est le dossier Michel Bakenda. Quand je disais que Michel Bakenda, c'est un homme. Vous voyez, je disais que Michel Azapé Moutou, vous comprenez, hein? Donc, c'est un homme que vous comprenez qu'il est aussi célibataire après tout. Donc, après tout, il est célibataire. Il est vraiment célibataire. Donc, c'est vrai, nous n'autorisons pas, nous ne permettons pas que, en tant que célibataire, cela va bêtise parce que c'est un homme public. Mais sur ce, après cela. Hein, après cela. Donc, ils ont un peu passé de voir tout ça et que le monde entier est en train de publier bêtise en Nengwana. Donc, quelqu'un même a ce qui signe à Dorbi, non, Moutakalizons nous vivants. Et vous comprenez que ce sont des œuvres de la chair et puis ce sont des œuvres des ténèbres. Pour Assanina déstabiliser, message en Zambeto, évangile dans Katiambo, Kanabiso, Congo. Donc, après tout, nous ne pouvons pas continuer toujours à lapider Bango. Alors, c'est que moi je demanderais pour ne pas me répéter, Ezakia Michel. Je crois que d'une manière ou d'une autre, tes amis, tes frères, tes connaissances, tes proches, vous auront quand même à suivre ces vidéos. Et puis, Mike Kalamba ainsi que le pasteur Moïse. Donc, vous aurez l'occasion de suivre ces vidéos. Je trouve que c'est le temps aussi de passer. Et puis, c'est relevé. Hein? Relevez-vous, repentissez-vous. Ce sont des choses qui arrivent. Vous êtes des humains. Et peut-être vous l'avez fait sans pourtant que les gens sachent. Ce sont des œuvres qui étaient cachées. Il a plu au Seigneur, mais qu'a révélé en haut. Donc, ces hommes à Kambo, Sengel Pato s'est installé. Et puis, il y a un élément, c'est que ce qui m'écœure, ce sont plus, entre guillemets, serviteurs. Je suis en train de suivre beaucoup d'émissions qui se font. En tant que l'homme de Dieu, je prends mon temps pour suivre cela. Non, quand même, ma réaction à bateau. Mais 80%, ce que tu as dit bien, ce sont. Parce que moi, j'ai dit, on s'est dit, bisomo que Congo est un bon chrétien. Si nous sommes des chrétiens, la personne là, c'est ton frère. N'est-ce pas? Mike Kalamba est un frère. A Pambola, tu as encore tes chansons dans ton téléphone. Et puis, si on peut dire, tu as un peu de temps. En dehors de cela, c'est un artiste qui fait la fierté de notre pays dans quatre évangiles, dans le gospel. Et ces histoires-là, nous ont résonné sur la même vidéo à mon père, où il y a des gens qui ont été créatures en Zambé. C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que pour le propre mon père, on ne peut pas en disconvenir. Parce que les artistes, ils ont rappé, ils ont escroqué, ils ont rappé, parce que ce sont des humains. Mais bato ba mimona ka bazolo ka basantu ba ngonde balara na nzambe na tolo na ye wana de koy mabe ko minimiser bato mususu wana de za mabe. Vous comprenez, la chose à faire c'est de prier. Paul a salaki na mission na ngwana a salaki mission ba apôtre belé na église primitive prêcher plus l'évangile bande ko se vantete. Ce qui est vrai, ce qui est drôle, les a danger lorsque nous voyons un ministère, ton ministre moko to chantre moko boy, il se donne plus à l'argent, popularité, basi. Quand il y a débit, il y a destruction, il y a carrière, tout débit, il y a destruction, ministère. Et ça, quand on a invité, mais un serviteur de Dieu puissant à Bengami dans mon sein, dans Zambia solo, il n'est pas derrière l'argent. L'amour de l'argent, il n'est pas derrière ça. La popularité pour votre baillé, il n'est pas derrière ça. On a des caractéristiques à haute, mais Bengami n'est pas dans Zambia. On a beaucoup de serviteurs de Dieu, on a des campagnes à télévé, on a des réseaux sociaux, on a des Facebook, mais on a des salamous, on a des belles, na kati. Na sous-coulisse, na chambre noire, n'est-ce pas? Mais tant que cela ne tienne, y a encore ça la tête qui va. Dieu reste Dieu. Toi qui me suis en ce moment, nos amis internautes, à Congo Dialogue, vous qui me suivez, vous êtes vraiment déçus. J'aimerais juste relever la foi de quelqu'un. Baza Batou.
ndena lobi ya bango emona na public bongo ya yo salaka na kuku koyina kanda lokuta zuwa jalousie divisions au créer olinga ba belle famille na yo tolinga ba belle ba sœur belle sœur na yo tolinga ba beau frère na yo te ce sont des péchés to monika ezana ngono munike mais wa li sou meza ba publier sex tape ya mutunde bo moniki vraiment rokota li felo ha bande konanga na pfungula ma parenthèse moko dans la parole de Dieu je vois Jésus-Christ lorsqu'il a été crucifié il a été crucifié avec des brigands dans ces deux brigands là l'un dit mais une des Yesu était au salaba miracle multiplié ba mapo sexual Lazare pourquoi pas se sauver yo moko l'autre a dit ndeko tika biso ne tozo mérité toza ne bisika parce que to ça ba brigand to yiba to buma to yiba ba sia ba to boma ba mbo to yiba ba mbonge bele mais yi a salé lo comme côté vous savez ce qui s'est passé Christ a tali wa lo ba ki a lo bi pe le brigand lo bi Seigneur souviens-toi de moi ndeye so lo ba ki kaka lelo n'est-ce pas ozo kotanga na paradis tous hommes exemple en amouké ce que moi je comprends est que tokoyi ko juger ba tout lelo par rapport à ba buzo bana ba faiblesse na bango. Maintenant, souka masolo, qui savait que les brigands là à côté là, mais bah tout bah crucifié, bébé quand même bah crucifié à côté il fait l'eau. Mais Jésus n'a mutuana bah ça lui coopération, mutuana s'est repenti à reconnaître Seigneur Jésus. Christ a bien engagé notre recoute à puis na paradis, car on a pourquoi l'eau côté paradis. Deuxième bah tout monsieur biso toujours bah maman banga l'eau nous croyons peut-être que biso toi saint que les kabango parce que bah faiblesse na bango est exposé, bah sexe na bango est exposé, tout bah vidéo na bango ya qui mutakale bimi, bah désordre na bah foyer na bango bimi, bah on devrait bah tamasumu. Troca moi personne bino tout n'est que engagé notre biso mobutu dans la place nini. Après 32 ans de dictature, on ne connaît pas. Marise, Misa, Moto, Lapida, et au Lobana, au moins, c'est Ndumba, tout ça, Azawapi. Bah, on peut te croire que Kanisa, Bazaba, Santo, peut-être, se retrouve en enfer. Donc, quand tu es Moutoulo, là, ton jugement est Moutoulo, ça dépend de Yonanga, tes frères. Ce qui m'a dit, quand tu as dit, fais le temps, quand tu as dit, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui l'a appelé, qui l'a créé. Non, non, tout ça, ma créature. Et ce qui est drôle, ce qui m'écœure, c'est que ce sont plus soi-disant des chrétiens qui manifeste, qui commente, qui insulte, qui manifeste dans ma attitude mon camp. Et y a là Christ auto va pagano. Et ce qui m'écœure encore, même ceux qui passent dans des réseaux sociaux, même dans YouTube, dans l'émission, au baso lança ka appel, baso insulta ka exposa ka appel, que tu as commenté, c'est comme si bah on est bah juge y a Michel, bah on le voit là bas, donc bah on est basan clé à l'eau là quoi. Michel yo vraiment auto camo et puis notre décevoir, biso vraiment coco talifelo. Qui te dit coco talifelo? Nous avons révélé que nous avons dit 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 que nous avons responsables que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que tous en a pas preuve dans côté sur ba côté ba loge et puis sur ba côté li fait le ça ne dépend pas de toi qui me regarde ça ne dépend pas de moi toi qui me regarde sur en a ka ko juja ka ko matelé ba to ko lapider ça ne dépend pas de nous ça dépend de leurs serviteurs né na tina Facebook dans so ba serviteur en Zambe pourquoi toi me on a ba justice ya mokil to funda ba ngai pa Zambe na nzela prière Zambe tala ba to pesi sur ko la donne à kata Christ regarde ba buzo ba sala kana kuku comme exposer ba on Zambe yo kila ba ngoma ba zonga na conscience. Ceux qui se moyen ba vanda pe ba sala pe ba album te ba kota na ba retraite telemi cela bato bazo banga nzambe ezana ba génération belé muso ba ba fukameli balte eli se lamenté na tikalinga moko nzambe bazana ba Michel ebelé na ba fukameli balte nzambe bazana ba Mike Kalamba ebelé akotombola na mikolo ezoya ezana ba pasteur Moïse Mbili ebelé akotombola ba le moloto ba kufa me ba male moloto ba bima ebelé. Donc Dieu quand il s'agit de l'histoire des choses de Dieu Congolais, toi, bah, chrétien de Tolobatosa, une nation chrétienne, tout supporter, bah, frère Nabisso, Pelonga, n'a pas singa, bah, frère, bah, Téléma, bah, singa, pardon. Papa Michel, y'a Michel, les cas, demande pardon à la nation, parce que tu as lésé beaucoup de gens par rapport à cette vidéo. Kovanda, qui maintenant, ne soyons pas orgueilleux, pour le bah, que, bah, le Belanga, ne touchez pas, mais ouais, qui est ouin l'éternel? N'a pas bibi, bah, bazara, béchant, tu y a beaucoup de pasteurs, soi-disant, beaucoup de prophètes qui font des dégâts, bazo manipuler ba tout ça on en discute pas voilà to robo ya ngote ce sont des dégâts qui s'effacent dans les corps du Christ il y a des choses que nous pouvons pas étaler ça à la télé maintenant to ko lo bangote ce sont des scandales tu n'as pas l'idée ba miracle ko fabriquer à l'okuta
nenalandi ndeko mora obike non ezana frère mo ba bombier kuna bafutie de ba futa ke so $200 par semaine atika ba suke bele pi par rapport ba créer miracle nalandi sous vidéo mususu vous sentez que ba futi na chauffeur na mwasi na muta mikose ne kokufa kuta kufita zo pema ce sont des dégâts qui se font mais ça ne veut pas dire que nzamba bongo amni nzamba za toujours nzamba za juste tokoye babango na misala na bango et puis mutu na mutu chacun doit rendre compte à l'Éternel à partir ba œuvre na ye na yom tozo finga na yom tozo ka insulter na yom tozo décourager chaque personne telle que nous sommes là sur la terre nous approchons vers la fin de la vers la fin du monde mutu na mutu ko rendre compte mais ce que nous pouvons faire pour le moment même si ces œuvres sont exposées prions pour ces gens-là. Imagine-toi, c'est ton frère que tu appelles frère. Lelo pa babimisi ba mutakalisation na ye o wangani yeke. Eh ba Pierre ba komé belé lelo na kati église hein. Na musique chrétienne ba Pierre ba komé belé, mais Jésus n'a pas besoin seulement de Pierre, a besoin de Pierre qui se repente. Voyez, donc c'est un peu ça et puis je suis encore quelqu'un qui dit que non, prochainement na kobimisi la bino ba buzo ba pasteur Henri, na kobimisi na buzo ba frère Moïse Matuta. Donc et puis tu t'appelles prophète. Mon cher frère, tu t'appelles prophète. Dans yon prophétie, nous avons pu exposer ça. Mais ça là, nous avons la conviction. Le Seigneur n'est même pas parlé. Ça va faire, ça va tout. Qui te connaît? Et qui t'a d'abord appelé prophète? Nous avons ordonné qu'il y ait prophète. Et quel est le rôle des prophètes dans les 7 ans de la fin? RDC n'a pas problème. Fachez n'a pas problème. La déclaration c'est dans Londres qu'on a problème dans 4 nations. Au moment de la prophétie à Fachite, car il y a pasteur Harry Papa. Parce que moi, nous avons tombé là, nous avons salé. Il y a Moïse Matuta. Donc, toi seulement, tu es tenté de taguer ce bateau et que non, tu vas élever. Bon, yo, yo, salara, buzz, ba, ba, yo. Soi-disant prophète. Qui t'a établi d'abord prophète? Donc, ta prophétie seulement pour dire que, non, na bon bien au penza, Harry, papa, soko yo leki na télévision, tes frères, crains les seigneurs. Papa, n'a pas de konanga, soi-disant prophète, banganzambe, soki n'tamba ebiso kolobate, kolobate. Si tu n'as pas un message de la part de Dieu, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper si tu crées. Même ba prophète na ba créer ma solo na ba créer ba prophétie. Nous allons ba frapper ba ngunostuana. Tout ça, ça fait très mal de voir entre nous les chrétiens congolais s'entretuer dire n'importe quoi. C'est bien. Je ne dis qu'on vient pas quelqu'un m'a écrit sur mon Facebook disant non boloa au moins toujours dénoncer ba œuvre à mal. C'est vrai. Comment tu dénonces cela? En humiliant ton frère, en l'insultant, croyant que c'est toi qui joues le saint. Et pourquoi tu demandes pardon avant de dormir? Pourquoi tu demandes pardon quand tu te réveilles? Parce que tu comprends que tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Bande Konanga, à tous nos frères et sœurs, à tous les Congolais qui nous suivent, le Congo a besoin de ces frères-là. Ceux qui ont la perdition, ce n'est pas à nous de juger les hommes sérieux. Qui passe à la télé pour se dire qu'il y a un prophète, un Moussa, un Zambé, et un Zambé contre. Tout ce qui est peut-être le païen, entre guillemets, peut-être, il y a un Rambon, il y a un raté, il y a un droit sacerdoté, il y a peut-être un Rambon, il y a un raté, il y a une intimité, il y a un Rambon, il y a un Rambon, il y a un Rambon, trois frères là, il y a un Zambé, tout ça, il y a un Rambon, il y a un loge, il y a un responsable, et sachant très bien que, il y a un foutre, il y a un caca, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent, ce sont des preuves que nous avons, donc, pour clore à ce dossier ici, chers amis internautes, maman Francine de la Belgique, nos amis qui nous suivent au travers le monde entier en Europe, partout. Là, je vois le pasteur Samuel Luzingu au niveau des États-Unis. Merci à toi, Aristote Ndembo, l'apôtre. Merci à toi au niveau de la France. Merci à toi à Sweden, je voulais dire ça en anglais, à Sweden, na Suède, Yolande, hein, Yolande, Yolanda, Yolanda, hein, Yolanda, Talarayo. Voilà, ils ont moi passé. Donc, qu'à cela ne tienne, ce que je pourrais dire pour le moment, dans ce dossier de ces trois hommes de Dieu, Oyo, la qui c'est ma faiblesse, na bango, ba exposé au travers les réseaux sociaux. Et courage à vous, mes frères, courage, vous avez un frère Nabisso, vous avez un frère Nabisso, vous êtes nos frères. Vous êtes aussi les pasteurs pour certaines personnes. Et je suis sûr que si cela est possible, passez dans la télé parce que vous avez un public. Vous gardez peu de silence et belété parce que ça dérange. Quand vous gardez trop de silence, c'est un signe aussi de l'orgueil parce que vous affectez beaucoup de gens. Vos musiques bénissent les gens, vos prédications bénissent beaucoup de gens. Alors quand il y a des scandales comme ça, ne gardez pas silence. Bon, les cabos, c'est un pardon. Répentez-vous, humiliez-vous. Ce n'est pas pour plaire aux gens, mais c'est pour chercher la paix car il est écrit « Cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Vous n'allez pas me dire que Dieu nous a imposé le silence.
Il était beau se justifier, mais rappelez-vous, beaucoup de gens, beaucoup d'âmes sont affectées, sont vraiment déçus dans ce qui se passe dans la région. Ce qui est un secret, et bien, alors, parce que les gens, vous avez un modèle. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de la génération jeunesse, vous avez presque un jeune binonios tout. Alors, vous avez la cabine, alors ça sera quand même une bonne chose. Vous puissiez passer dans les réseaux sociaux, dans la télé, pour demander pardon. Moi, je suis là, je suis en Afrique du Sud. Mon numéro est dans vos petits écrans. Alors, ce n'est pas à nous de vous juger, mais comprenez que vous avez un tout petit bon les gars, vous s'excusez. Alors, toutes ces personnes qui étaient dérangées, excusez tout ça. Prions pour nos frères, que le Seigneur les relève encore, parce qu'on a, on a besoin d'eux, qui basent toujours le pamboli pour Nabisso. À Taba Moïse, Babon Abaon, qu'on composé, Mbia Bogoyemba, Dieu va susciter de Moïse et de Mbia, Dieu va susciter de Maï plus que Maï Kalamba, Dieu va susciter plus que Michel Bakenda, mais pour le moment, ce sont nos frères, nous ne pouvons pas continuer à les lapider. Après tout, même à Taba Moïse, on a justice, ça apporte à quoi? Et puis quand tu parles et que ce sont des faux, tu n'as pas de preuves, ça apporte à quoi dans notre pays? Ça porte à quoi la foi chrétienne? Si Dieu les expose, Dieu sait pourquoi. Samson, Baboma qui est Moussou, Asalagilisoum, il a désobéi seulement. Il ne fallait pas bakata Yesu, qui sont des faiblesses. Et puis par après, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Alors je demanderai aussi à nos frères et sœurs, vous appelez le Samson, vous s'humiliez, vous m'y croyez, c'est que vous avez dit, vous avez mis au Koufa. Vous avez mis au Koufa. Vous c'est Kabino parce que Batobolio Mis. Michel Bakenda. Vidéo à Nézalogola Batobolio Mis, c'est pas Dalila. Dis seulement, sinon, souviens-toi de moi. Donne-moi la force encore une fois pour affronter les Philistins. Donc, c'est ce que moi je pourrais dire en ces temps ici. Moi, je trouve que ça n'apporte absolument rien. On a vu déjà Mamba Elia. Alors, le frère aussi, Bazo, le canal à la télévision pour dire n'importe quoi. Botikari, papa, Vandaki, mes frères. Prophète. Laisse Henri Papa, le pasteur Henri Papa Moulage à calme. Laisse le frère Moïse Matuta calme. Si tu as des rangs où tu ne l'aimes pas, on est un thème à bien à Yokaka. Si tu as des preuves, va leur voir. Le bas frère, dans mon accueil, on a tel ou bien on a ma soeur. Tika, on a une preuve, on a une photo, on a une photo. Bon, on a un téléphone, on a un chapeau, on a un bébé à battre. Mais la musique, on a un message, on a un pambo, on a un bon sani. Un thème à monter, c'est drôle, hein. Pour terminer, il y a un serviteur, Jimmy Swaga. Un serviteur, vous savez, dans mon athée, à l'époque, vers les 90, les 90 et quelques, vers les 1990, Oyo, c'était un, on appelle ça, setup. Ils avaient le col à prise en piège. Ils ont créé un scénario, ils ont tindé un sur un bureau, ils pas séduire pour exposer Jimmy Swaga. Mais n'est-ce qu'à la qui jamais commande à l'américain, à mindele, à télé, à sa publicité, à sa vidéo, à bimissant. Jimmy Swaga, et à quand il y a moi si, tu vois la mentalité noire et la mentalité blanche. Très différent. Mais qu'est-ce que l'église a fait? L'église est entrée dans la prière. La prière qui prend à Jimmy Swaga. Le lot Jimmy Swaga a relevé. Ah, ça me sent, Mais hein? Papa, cause à la sujet, agent en diable était au travail de la démon, au travail de la sorcier, de la marabout, de la rose chrétienne pour salir témoignage église en Zambe, puis à la saine en Zambe. C'est vrai qu'il va faux baser Bélela, non, ça la peine mission spéciale pour la faux. N'a mon peine à yébi, misala na bango, n'a pas de révélation na bango, n'a pas de sala, pour n'a pas de télé, mais la faux, ben pas s'embrier. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Na livré na eble tika bakola ta un coquin tamba ko tamise. Voilà, des commentaires à faire, des suggestions à faire, vous êtes la bienvenue. Mon numéro WhatsApp est sur vos petits écrans, c'est Josué Bola sur Facebook. Obenga to solo la to bongisa après quoi ba texte bimba se ba vidéo bimi après bolobi n'importe quoi après et longa na ozela kana bango ba leka ba singa pardon et puis la vie continue. Tu en as besoin d'avoir un temps à récupérer. Mes frères, relevez-vous. Dieu va encore vous faire du bien. A l'ingi binaza na posa na bino. Pablo, on a ça maintenant. Koukwa bimisyon ka pona relax. A qui n'a pas serviteur pe moussousou. Mais ça entre bisote to bo man. A gato tchana ka bambeli. Hein? To tika bouzoba. Na Congolais to kola. To l'on en a émotion. Et puis Dieu va nous faire du bien. Parce que to comprendre que RDC, c'est un pays laïque. Pays ton aba chrétien. Alors, soto se distrait na blanc. Ba Moïse, na ba Mike, na ba Michel. Tomboko to target cible était cible kozani ni to relever mboka na se tombo ama
parce que le pays le Congo a une occupation ébélée, occupation politique, occupation émotionnelle, occupation sanitaire, occupation. C'est le temps de se focaliser. Tu vas en total et loin, tu vas s'apprendre beaucoup en abysso à génération sika. Avant 2023, tout le monde a même beaucoup bien mis ça les alliés, tout ça. Donc, on ne se peut pas tout ça maki. Dieu reste Dieu. Le faiblesse des messagers ne peut jamais changer la prophétie dans ta vie. Le messager qui sont ces trois hommes-là, ce sont des faillibles. Mais la parole de Dieu, le message est infaillible. Confions-nous à Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Si tu étais fan ou émotionnel, tu es fanatique et supporter à Batou, en Anza, Mayinga, Lobanim, que tu as confiance, mais pas dans la bonté parce que tu as Batou. Tu as confiance, pas dans Anzambe, pour que tu aies décevoir Yoke. Si tu as confiance, tu as Batou. On se comprend, non? Voilà. Grand merci à El Picasso au niveau Belgique. Grand merci à Francis Bambongo, les bourgeois. Francis Bambongo, les bourgeois KGB. Grand merci à l'Étoile d'Afrique, Isaac Mabaka Landou. Merci à toi. Grand merci à Kojak Milungu, l'Apocalypse Vende Nasso, Namet Lendouana, Shop Moka Bien, Kojak Milungu. Merci à toi, Boss Mounene. Grand merci, les Soussous. Et puis, salutations à Kaya Moucha, le grand boss. Kaya Moucha, na Katia Ville, Kuna. Merci à vous. Vraiment, ça m'a passé, mais un dossier à suivre. Abonnez-vous, Massimo, à ce Congo. Jusqu'à un prochain numéro. Bye.